Bien joué. Ah, enfin un mouvement intéressant. Et Skiller, je suis pas sûr. Je sais pas. Openda. Dommage parce que c'est vrai que cette combinaison était très intéressante. Il y avait une accélération et Openda, une nouvelle fois, à la limite du hors-jeu. Le triangle était très très bien joué, en effet, avec ce premier ballon de Siquet, très intéressant. On en a Plétnis, Théaté, Yadur, bon, il y a pas mal donné, ça même. Oh, c'est pas vrai! Le poteau là sur cette tête de Plétnis, alors que le gardien turc Destanoglu avait complètement raté sa sortie. Pas de chance. Franchement, pas de chance. Mais on est loin quand même là. Ouais. On est très loin pour qu'il puisse comme ça faire son petit 360, Berakdar, et heureusement c'est du pied gauche. Ouais, et pourtant on est nombreux, Marc, autour de lui. Il y avait les trois défenseurs centraux, plus notre numéro 6, Onana. Attention. Si l'alignement n'était pas bon, alors c'est Sertel qui était derrière tout le monde. Tant mieux, Openda. Il doit lever la tête. Oh oui, Openda! Oh, comme il est beau celui-là! Il est magnifique! Il a profité vraiment d'un très mauvais alignement de la défense turque, mais pour le reste, quand on dit qu'il est seul en pointe, ben comme quoi, même quand on est seul, on a quand même moyen de s'amuser. Hein. Mais là, on s'arrête un peu, on est passif. Ouais, c'est mal défendu, mais c'est super bien joué avec son intérieur du pied là. Il la met exactement là où il faut. Erskaren, Siké. Et un Turc au sol. Bien joué. Oh oui! Quel sang de nouveau à l'arrêt, Marc. Il en a réalisé 3, 4 peut-être. Excellent. L'appel d'Openda est bon, il est parfait. Ça passe encore, il doit revenir là, Verscaron, la sortie de théâtre. Ah oui, mais là, ça laisse de l'espace. Ouf, ouais, et théâtre qui était sorti complètement de position, Nana qui compense pas. Et malgré notre supériorité numérique dans le rectangle, regardez, on est quand même encore 4 contre 3. Stevige spurt. Ali Akman, deze gaat er niet laten liggen, denk ik. Oh, toch wel. Toch wel. Ali Akman trapt net naast. Oei, dit is ver buitenspel. Ja, en opletten. Waarom doe je dit? En hopelijk krijgt hij dan geen tweede gele kaart. Lois op en na, dat willen de supporters natuurlijk. Die zijn allemaal moord en brand aan het schreeuwen. Ja, zoveel is het niet, hè. Als je het beeld stilzet, nee, je mag blij geluk, zijn dat hij die heeft geluk, hij heeft Hongaar geluk. Zich niet laat beïnvloeden door dat thuispubliek. Ja, dit is niet slim. Ja, eigenlijk, hè. Als je dit doet... Nu is je wel weg. Als prof... Dan krijg je normaal je tweede. Hier is Openda voor nummer 2. Kijk eens aan. Ja, snel kan het gaan. Een halve minuut geleden ontsnapt hij aan een tweede gele kaart. En nu maakt hij zijn tweede goal. Natuurlijk is het publiek woest. Natuurlijk zijn ze kwaad. Maar Lois Openda en Jackie Matthijssen, die trekken zich daar allemaal niks van aan. 0 tegen 2. En de match is beslist op 10 minuten van het einde. De Belgen gaan de 3 punten pakken in Turkije. Ah, schitterend gedaan, hè. Op snelheid. Gaat echt snel de ketelaar eens mee. Maar gaat inderdaad recht naar het doel. En weer deponeert hij dat balletje daar perfect, hè. Durfde vroeger wel eens reuze kansen de nek omwringen. Maar vandaag maakt hij er 2 uit een heel moeilijke positie. Opletten! Oh la la, Ali Akman. Die had vandaag misschien wel 2 keer moeten scoren. Zeker deze. Goed Vertessen. Is snel, dat is ook een overtreding. En die man heeft net geel gekregen, dus hij mag gaan douchen. Ja, hij
blijft consequent. En ja, ze zijn allemaal te verrechtvaardigen. Matazzo legt breed. En dan is daar nog een goal. Maar ja, was dat geen buitenspel? Nee. Oké. 0-3. Jorbe Vertessen, ook de invaller, pikt nog zijn graantje mee. Van der Bremt met uiteindelijk de assist. En 0-3 is uiteindelijk nog een ruime zege voor de Belgen in de toegevoegde tijd. Vertessen geen buitenspel. Goed gezien, weer nummer 21. Ja, goed afgewerkt. Achter hem, knap afgewerkt. Goeie goal.